Allez-y, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que vous voyez? Tu imagines quoi? Ça pourrait être, je sais pas, un Jeff Scoot géant au milieu de la place publique. Allez! Mais intervenez, hein! Prenez la parole, pas les uns après les autres. Je pense qu'on pourrait le faire fondre. Très bien. Allez le faire fondre et garder la flaque. Un peu comme les montres de la ligue. Ah, pas mal. On pourrait créer plein de petits comme ça en argile. Et faire un champ géant avec plein de petits trucs comme ça. D'accord. Un moulage, hop, et tu le démultiplies, faire des multiples. La même chose, changement d'échelle, plus petit, plus grand, sur grain de riz. Sur grain de riz. En paprika. On pourrait aussi, du coup, je reprends l'idée de Moro, on le fait fondre, et après la flaque, on la fait disparaître. Parfait. Et on le fait disparaître comment? On l'a fait disparaître en la fond. Encore fond. LLS. Jusqu'à ce qu'elle désintègre. On s'en sert d'une arme. Je vois pas toujours les mêmes, c'est des trucs. Ah, on peut se jeter à la face. On l'a jeté dans les gens. On en fait un trophée, on l'a fait en marteau. Comme de l'or, on n'a pas d'or, mais un truc très. De l'argent. Précieux, clinquant, qu'est-ce qu'on dit? Allez, c'est bon, on chante. Vous voyez comment tout de suite, il y a pu y avoir plus d'interactions entre vous, parce que c'est ça qui manque aussi. Non, attends, toi t'as pas parlé. Et quoi? Je sais pas. Eh ben, tu peux passer si tu sais pas. Mais je sais pas. Mais tu l'as même pas regardé. Regarde ce qui s'est passé, tu l'as même pas regardé. T'as pas cherché à le manipuler, c'est ça qui manque. Un concerto entier avec. Ouais. Et dans ces cas-là. Ben, la comme. Ah. Ouais, moi aussi j'aurais pris ça genre vraiment sérieusement et je vois bien une vidéo où il y a un mec qui essaie de faire des accords dessus. D'accord. Il y a trois instruments de musique. Ouais. On forme un groupe de rock alternatif. Mais vraiment, très sérieusement. Ah, mais je veux, tiens, tu amènes la trompette, c'est très bien. Tiens, on va commencer, vas-y. Je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas faire de quoi. mais c'est ça aussi qui manque, c'est qu'en fait, il faut aller au-devant. Ok, ce sont des corps étrangers par rapport à ton univers. Il faut manipuler, ça, tu vois. De toute façon, si t'as le droit de faire un rejet à la grève, hein. L'idée, c'est quand même d'aller un petit peu chercher des idées où il n'y en a pas, puis chercher des interactions avec vous. Vous allez vous retrouver tous dans une boîte. On ne peut pas faire plus concret comme toi les petits. Je ne sais pas. Un pied de quelque chose. Voilà. C'est la dernière fois que fabriquer le truc de canette. Là, on pourra le refaire en canette. En canette, d'accord. Reconstruire l'instrument, mais qui ne fonctionne pas vu que je n'ai aucune qualité de pianiste et de musicienne. Un truc qui est impossible de marcher et je ferai un concert. Voilà. D'accord. Du piano silencieux. C'est ça. Une relecture de John Cage. Que tu ferais pendant un temps parti, mais je ne peux pas dire. C'est une citation de John Cage. Je ne sais pas. 4 minutes 30. Combien? 4 minutes 30. Bravo, 4 minutes 30. Vous connaissez John Cage? Oui. Sinon, je peux pas dire. Sinon, avec tous ces morceaux, on pourrait construire un objet. Moi, au bruit, ça me fait penser à de l'ego quand vous l'avez fait tomber ouais. Sur la table. Un jeu de construction déjà, ce serait mieux de redessiner du bambou avec du charbon de bambou. Charbon de bambou.
de ce que fait Cazeneuve. Il produit ses fusains à partir des fusains qu'il dessine. Allez, charbon, au charbon, qu'est-ce que ça évoque? Ouais. Allez-y. On pourrait les broyer pour en faire que de la cendre, mettre dans une boîte et écrire même. Ok, très bien. C'est sympa pour les églises. Nous, après, c'est... C'est vrai que c'est pas facile le charbon. Allez. Là, c'est un peu exprès d'utiliser. Non, ça, c'est pour la trompette, je crois aussi. Le manger. Et essaie, tu vas voir, c'est pas très bon. En fait, c'est pour mettre la clochette géante d'un mannequin éco. Avec tu vas t'aider de faire un grand. D'accord, ouais, c'est la clochette qui l'a. D'accord. Ou un espèce le grelot, de bijou post-apocalyptique. D'accord. Voilà. Pour migrants, ça lui fait une bouée, quoi. Ouais. Sinon, une toupie. Hein? Une toupie? Ouais. Au Japon, il y a beaucoup de culture de toupie pour le jour de l'an, il joue à ça. On va mettre des fils et mettre de la peinture sur la partie qui est un peu en relief. Ouais. Et la faire dessiner comme un spirogramme. Oui, au même temps. Ok. Sinon, quoi, c'est le suspendre. Là, c'est chasser le naturel, il est mis au galop. Alain, il est dans l'assemblage. Donc, je n'ai pas vu non plus. Et ben voilà, là, vous avez 2 minutes pour faire un assemblage. Vous allez chercher les objets que vous voulez. Et chacun fait un assemblage. Bonjour. D'abord, pourquoi on fait ça? C'est pour que vous compreniez.
compreniez que la manipulation des idées, c'est pas forcément aboutir à une œuvre, c'est juste chercher. Que tous les gestes que vous faites ne doivent pas forcément être des gestes aboutis, mais être des gestes de recherche. Et qu'il ne faut pas avoir peur de se planter, pas avoir peur de ridicule, pas avoir peur de s'engager dans des choses qui n'aboutissent pas. Mais dans ces gestes-là, il y a toujours une source d'idées, en tout cas d'envie. Tiens, ah, j'avais fait ça. Donc, je le garde, je le mets sur ce plan. Comme nettoyer vos ateliers, c'est une source d'envie. De réactivation, projet abandonné, de piste abandonnée, de recherche non finie. Et ça fait partie de votre process. Quand vous allez créer votre propre langage créatif, vous allez avoir besoin de ces bibliothèques-là et en même temps besoin d'ouverture sur des idées des autres, d'ouvrir un peu votre champ, de le redynamiser, de le réactiver. C'est juste pour pas que... Donc voilà. On va même pas commenter vos montages, c'est pas le but. Si vous êtes particulièrement fier, vous pouvez montrer aux autres et en parler. Bah, tu vois, tu as enlevé ça là, c'est super intéressant. Voilà, c'était l'échauffement du matin. Mon but, c'était aussi de vous faire manipuler les objets que vous avez laissés, d'aller chercher des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et puis, se prêter au jeu et peut-être discuter un peu plus entre vous sur vos idées et sur les interactions que vous pourriez avoir ensemble. Parce que vous allez voir...